Rien, vous qui passez par là, bonjour, merci de m'accueillir chez vous. On va faire un petit tirage pour ce mercredi 30 novembre 2022. On va tirer une petite carte d'énergie pour voir un petit peu ce qui plane dans l'atmosphère. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va rentrer dans le mois de décembre, au mois des fêtes. On va tourner une page sur cette année, mon Dieu. Ça fait 3 ans qu'on dit pourvu que l'année prochaine soit meilleure. Mais pourvu que l'année prochaine soit meilleure. Bon, allez, on y va. Bon, on a la carte de la prison, de l'enfermement. Donc ici, on a des énergies, justement, on se sent peut-être, pour certains, vous vous sentez un peu piégé. Vous vous sentez... Alors, ça peut parler d'une hospitalisation. Ça peut parler donc de... parler de se sentir piégé, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'être renfermé sur soi, d'être réellement enfermé, ça veut dire qu'on n'arrive plus à avancer, quelqu'un nous empêche d'avancer, ou on s'empêche d'avancer soi-même par rapport à un sentiment, par rapport à quelque chose, on n'arrive pas à se débarrasser, et on n'arrive pas, on n'ose pas avancer, on n'ose pas avancer. Ça peut nous parler aussi, si vous cherchez un travail, ça peut être aussi un travail où vous allez comme un garde, un maton, un sorteur, un truc comme ça. Et peut-être aussi dans votre amour, dans le côté sentimental, il y a quelque chose qui... Vous vous sentez parfois piégé. Ou c'est vous qui piégez l'autre. Mais je vais prendre quand même, parce que aussi ce jeu, j'aime bien d'avoir 2 cartes minimum. Donc je prends la carte du papillon, parce qu'en plus je n'ai pas coupé, vous avez vu, j'ai pris la carte du dessus, je n'ai pas coupé. Donc je prends celle-ci, et on a la carte du papillon, l'autre est bonne aussi. Donc ici, on s'épanouit. Donc je pense qu'ici, c'est la fin de ce côté prison, de ce côté enfermement, de ce côté de sensation d'impuissance. De sensation de... Il est impossible d'avancer. Fin de la consultation. Mais non. Je ne suis pas en consultation. Et puis, vous allez ici avec le papillon. Donc, heureusement qu'on a eu celle-là. Parce qu'on en a d'autres qui... Non, mais elles sont belles, ça va. Non, non, ça va. Oh, mon Dieu, on a l'abondance. Bah, écoutez, vraiment, ici, je pense qu'on est dans des énergies où vraiment, il y a... C'est la fin de cet enfermement. Vous allez peut-être prendre une décision de ne plus vous laisser faire, une décision de quitter, une décision de faire partir quelqu'un, peut-être, de votre cœur, hein, peut-être aussi de votre tête, de votre vie, de votre... Et de toute façon, ici, il y a un gros changement, mais un gros changement positif. On s'épanouit, on s'épanouit. On va vraiment... peut-être que vous allez récupérer de l'ambition, récupérer. Vous allez peut-être avoir de l'ambition. Vous allez... devenir une personne plus ambitieuse. En tout cas, il y a vraiment une grosse métamorphose ici, dans le couple aussi. Donc, peut-être que, tout simplement, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec le papillon, hein, bien sûr. Changement, ça peut être un changement de travail aussi, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre travail. Quoi qu'il en soit, c'est un épanouissement total. Vraiment. Alors peut-être qu'on se sent aussi renfermé, parce que comme j'ai la cigogne ici, on pourrait parler d'un enfant. Donc on se sent renfermé dans le sens où on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à tomber enceinte, etc., etc. Et bien là, les choses pourraient changer, d'accord? On a vraiment... Ou alors ça peut aussi parler qu'on déménage. On déménage, on se sent en prison dans cette maison. On n'est pas à l'aise dans sa maison. On ressent des choses très négatives. Et bien ici, peut-être... Ici, ça me parle de déménagement. Quoi qu'il en soit, ce sont des changements. Hein. Il y a des changements. Vraiment, vraiment. Donc, pour aller vraiment vers du mieux, vers du positif. Donc, on a vraiment ce côté négatif. C'est plutôt ce côté mal-être. Oui, négatif. Mais ce n'est pas une blessure, par exemple. Hein. Ce n'est pas une blessure physique. C'est un mal-être. C'est peut-être un enfermement, une prison pour de bon, bien sûr, hein, mais alors à ce moment-là, ben, les choses vont changer, là, pour le moment. Les choses vont changer, d'accord? Si vous êtes en prison pour de bon. Oui, j'ai fait un petit rituel. Bon, j'espère que j'en ai pas partout.
Je me suis lavé les mains, je vais encore aller me les laver. Mais... Donc ici, on a une belle évolution, un changement, peut-être changer de prison, hein, tout simplement, mais c'est pour du mieux. Voilà, on évolue pour du mieux, vraiment. On se transforme aussi, d'accord? Voilà. Peut-être qu'on est dans l'acceptation aussi de certaines choses. Ok. Donc voilà les amis pour les énergies de la journée. On va prendre aujourd'hui l'oracle de Yoli Lune, notre amie Yoli, de la chaîne Yoli Lune, pour voir les énergies générales pour la journée. Et on y va les amis, on coupe. On a la rigueur et on a l'amitié. Donc ici, peut-être qu'il faut tenir bon par rapport à une amitié, par rapport à des sentiments. On vous demande de ne pas flancher, je pense. Ce sera plutôt ça. Ne flanchez pas, ne faites pas d'exception. J'ai envie de vous dire, ne faites pas d'exception. Ne faites pas d'exception. Il faut... C'est mieux. Il faut... Il faut rester rigoureux ou rigoureuse, tout simplement. Dites quand vous avez besoin. Ah. Alors là, vous re... Alors, oui. Restez sur votre intuition. On a la carte du guide de la conception et de l'intuition. Donc ici, suivez votre intuition, le guide, l'intuition. Donc suivez vraiment votre intuition, suivez les conseils d'une personne. Ou les conseils, peut-être qu'ils vont venir du divin, on va dire. Et conception, ben, il y a effectivement quelque chose qui change. Donc ça confirme bien les cartes qu'on a ici. Donc ici, on, vraiment, il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui se met en place et qui va naître. On va vers la création de quelque chose. Mais suivez votre intuition. Bon, les cartes, elles peuvent me parler beaucoup. Il y a des démarches à faire. Mon Dieu, elle saute toute seule. Il y a des démarches à faire, les amis. Regardez, on a encore la transformation ici. On a encore la transformation. Donc, on doit faire certaines choses pour pouvoir se transformer. Ça parle vraiment. Bon, allez. Hop. Voilà. Et on y va. Allez. Le départ. Carte du milieu. Le départ. Les démarches. L'argent. La triangulaire, le triangle, la triangulaire, pardon, la justice, la méditation, les projets, l'homme et une invitation, Dododeg, l'assistance. Et le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, le phénix qui renaît. Vraiment, j'ai l'impression ici que parmi vous, il y a des personnes qui vous vous sentez vraiment bloquées, vous vous sentez renfermées, vous sentez que vous n'arrivez pas à évoluer. Vous pensez que la situation est définitivement perdue par rapport à ce que je vois ici. Hein. Vous pourriez penser que ouais. Il y a quelque chose qui va vraiment s'arrêter. C'est possible. Hein. C'est possible, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin de quelque chose. Mais moi, je pense que ce sera positif. Attention, tout n'est pas toujours positif. Hein. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que regardez. Donc, vous allez avoir de l'aide. De l'aide, on a eu le guide tout à l'heure. Hein. Et votre intuition. Je pense que c'est ça. On renaît de ses cendres. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera toujours mieux pour vous. D'accord? On voit. Une sortie, la fin du tunnel, la lumière au bout du tunnel, mon Dieu, et c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui nous ennuie, parce qu'on a la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mon chien qui fait. Désolée, mais
il a un petit peu vomi quelque chose. Bon, donc on a ici la fin, l'issue, oui. Donc pour moi c'est bon, c'est la fin parce qu'on trouve la lumière. Alors, ça peut, alors j'ai quand même la triangulaire, le côté triangulaire hein, de la... on a quand même ici au milieu, on a la carte du départ. Donc effectivement, il y a des changements qui vont se faire. Il y a vraiment... Alors, on va partir, on va déménager. Encore une fois, ça correspond avec la carte. Mais aussi, pas que déménager, il y a des changements, d'accord? Il y a un nouveau départ. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau départ parce que vous allez décider de tout quitter pour une tierce personne. Ok, parce que vous avez des projets avec cette tierce personne. Donc voilà, il est possible que vous soyez déjà dans les démarches, et du coup, parce qu'avec la carte du départ, il y a tout qui bouge, en fait, tout bouge. Alors, il y a plein de choses, hein. Donc il y a le départ parce qu'il y a une triangulaire, les choses bougent parce qu'il y a une triangulaire, les choses bougent parce qu'il y a des projets de couple. Et les choses bougent parce qu'on a des projets financiers. Les choses bougent parce qu'on a une invitation, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous emmener quelque part. Peut-être qu'il va nous faire aussi changer d'avis avec cette invitation. Tiens, vous n'auriez pas jamais cru que... Ou vous allez inviter quelqu'un, alors ça peut dire beaucoup de choses. Le départ par rapport à la justice, donc un nouveau départ parce que justice, enfin, justice est faite. Départ avec un homme, alors c'est vous monsieur ou c'est votre monsieur, d'accord, mais voilà, c'est peut-être vous le consultant ici qui êtes là, donc départ pour ou avec un homme, ça c'est plutôt l'homme de votre cœur, hein. Si ça va, mais si vous êtes un monsieur, c'est vous, donc un départ, on se retrouve aussi à mon avis. Et on a le départ et les démarches, donc, et la méditation. Donc, les démarches, ben, tout simplement, pour que ça bouge, ben, il faut faire des démarches. Peut-être qu'on est toujours dans les démarches ici. On est peut-être toujours en train. Hein. On est toujours en train même de réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vois que ce personnage, il réfléchit. Donc, il n'est peut-être pas encore prêt à partir, celui-ci. D'ailleurs, on a la méditation au-dessus de lui, donc, carte de la méditation. Donc, il y a encore de la réflexion. Pour certaines personnes, il y a encore une certaine réflexion. Qu'est-ce que tu fais, Teddy? Voilà. Alors, on peut dire, si on va développer, on peut dire nouveau départ. Je regarde quelque chose. Parce qu'on a la fin, on a la renaissance, on a la sortie. Donc, nouveau départ, parce qu'il y avait une triangulaire, et du coup, on se retrouve. Mais aussi, on s'en va avec la tierce personne. Donc vraiment, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais bon, il y a vraiment cette... Il y a des choses qui bougent aussi à ce niveau-là. Des choses qui bougent dans la partie amoureuse. Alors, alors si vous avez des soupçons de tromperie, mais c'est peut-être pas non plus juste, hein, d'accord, ne vous méprenez pas non plus, hein, c'est pas votre tirage privé ici, c'est un tirage général, donc il peut ne pas vous parler du tout, même si vous vous dites, ah oui, ben voilà, ça confirme, ben peut-être que non, hein, pas du tout, d'accord, donc il faut vraiment réfléchir et méditer hein, par rapport à ce que sortent les cartes. Alors... On a ici la possibilité de changer parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc, on a les projets qui peuvent se réaliser, du coup, parce qu'on a de l'argent ou de l'aide, etc., etc. À départ, parce qu'on est invité chez quelqu'un, tout simplement, par exemple. Ou vous invitez quelqu'un, donc il y a un nouveau départ parce qu'il y a quelqu'un qui arrive chez vous, par exemple. On a aussi une notion de justice. Alors, la justice, vraiment, la justice, la loi, les procès, les procédures, parce qu'on a quand même, des démarches. Ouais. Alors là, j'ai des démarches financières par rapport à, justement,
Alors, à la triangulaire, oui, c'est peut-être parce que vous avez été trompé, vous êtes dans un divorce et donc vous êtes dans les démarches et c'est en train d'arriver. Donc, vous arrivez au bout du bout ici. Donc, ça va se terminer, ces démarches-là. Donc, vous allez avoir le jugement, par exemple, un jugement. Mais ça, c'est surtout si, c'est surtout par rapport à une tierce personne. Peut-être une tierce personne en amitié. Donc peut-être que vous avez un ami, une amie, et puis une tierce personne était là. Et puis là, cette personne-là, ben, elle a foutu le bordel, ou elle a volé, ou elle a voulu. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait. Et du coup, parce qu'on a l'argent aussi, donc voilà. Et puis, donc il y a des démarches judiciaires qui sont peut-être déjà commencé depuis un moment et on arrive à la fin. Mais sinon, on vous demande aussi, on vous demande peut-être de patienter encore un petit peu, mais on arrive à avoir la fin de ces démarches judiciaires. Alors, voilà. Là, vous allez peut-être, pour certains, vous avez des projets. D'accord, des projets à deux ou des projets dans un travail peut-être, mais c'est surtout si vous êtes en couple ou si vous devez faire quelque chose en couple. Alors, c'est pas spécialement le couple, c'est peut-être vous décidez de déménager, vous décidez d'acheter une maison, vous décidez d'aller à cette invitation-là, alors que vous savez que telle ou telle personne y est et que ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment ne pas bien se passer. Mais vous allez décider quand même d'y aller. Enfin, vous êtes en réflexion. Donc là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à tout ça. Vous réfléchissez sur le couple, vous réfléchissez sur vos projets, ou en tout cas, on vous demande de le faire. Vous réfléchissez par rapport à cette carte de l'invitation. C'est pas spécialement non plus toujours une invitation, mais pour moi, c'est aller ou recevoir, aller dans un lieu, être dans un lieu avec des personnes qui pourraient être négative, nuisible, et vous décidez quand même d'y aller. Vous réfléchissez, est-ce qu'on y va quand même ou pas? On risque de voir cette personne-là si on y va. Donc, du coup, si vous avez une invitation et que vous sentez pas quelque chose, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Alors, il y a la rencontre. Une rencontre peut-être dans un lieu public ou dans un lieu où vous allez être invité. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, donc avec qui vous allez pouvoir faire des projets, concrétiser certaines choses. Vous pourriez revoir quelqu'un aussi. Vous pourriez revoir quelqu'un dans un certain cas. J'ai cette carte là, SOS, là. Donc je pense quand même que ça, c'était le dos de deck. Ne tournez pas le dos non plus, peut-être, enfin ne tournez pas, je ne vous donne pas de conseils, hein, du tout, je ne suis pas là pour vous conseiller. Peut-être qu'on va vous demander de l'aide, tout simplement, ou vous allez demander de l'aide à quelqu'un. Si vous allez demander de l'aide à quelqu'un concernant peut-être quelque chose qui se passe ici, ou qui ne s'est pas encore passé, mais vous avez vraiment besoin d'avoir un avis, eh bien sachez que vous allez recevoir un avis positif, en tout cas un avis où on va vous guider de manière à ce que vous puissiez vous sortir de cet endroit où vous ne savez pas où vous êtes vous-même. Vraiment, on va vraiment ici vers vraiment la lumière, hein. Donc, et avec la carte de la fin, c'est aussi c'est la fin de quelque chose, bien évidemment, mais je l'ai vraiment eu après avoir ces cartes-ci. Donc pour moi, c'est vraiment la fin de la situation. On renaît de ses cendres. Donc on n'était plus rien et on redevient quelqu'un. On renaît de ses cendres. Grâce à de l'aide ou vous allez aider quelqu'un et il y a quelque chose qui va changer pour vous. Grâce à l'aide que vous allez apporter, sans même le vouloir, peut-être, sans même le vouloir. Mais bon, il y a une question d'aide. Alors, soit vous devez aider, soit on doit vous aider
En fait, il y a vraiment cette notion-là. Alors, vous devez, voilà, c'est vous qui savez si vous devez le faire ou pas, ou si vous avez envie de le faire ou pas, mais surtout, réfléchissez par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va regarder le cœur de trois cartes comme ça. Bon, je vais plutôt recouvrir. Triangulaire, séparation. Triangulaire, là, j'ai la séparation. Donc, voilà. Donc, on prend des décisions par rapport à cette triangulaire. Soit on quitte pour quelqu'un, ou soit on apprend quelque chose et on n'accepte pas. Alors, l'abondance sur la carte des projets. Donc, on a vraiment ici, vous avez un projet, tenez-le, foncez. Foncez. L'argent, l'été. Bon, peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez économiser par rapport à quelque chose que vous devez faire l'année prochaine, peut-être. Il y a quelque chose qui va se passer en été ou vous devez prévoir quelque chose pour l'été. Ça peut aussi nous parler de vacances, donc d'argent de vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances. Vous faites peut-être des démarches pour partir en vacances. Vous faites des démarches surtout financières pour pouvoir vous évader. Vous évadez aussi. L'invitation et le rituel. Ah. L'invitation et le rituel. Là, je pense que peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un. Vous vous dites, bon, moi, j'ai vraiment envie que ceci réussisse, que cela réussisse, mais j'ai besoin qu'on m'aide. Et l'aide, ce sera tout simplement une personne qui va faire un rituel pour vous ou qui va vous expliquer comment il faut faire pour faire bouger certaines choses. Peut-être que vous allez décider de prendre des cours de magie. Magie, c'est de. Magie, non, la magie, pas les cours de magie illusion, hein, mais les cours de la magie, c'est peut-être, je dis des cours, mais je veux dire des initiations. Peut-être que vous allez décider de prendre des initiations, vous allez peut-être décider de rencontrer une personne, justement, ou vous allez aller quelque part, vous allez rencontrer une personne qui est quand même dans l'occulte et qui pourrait vous aider. Parce que j'ai cette notion quand même de demande d'aide et de recevoir de l'aide. Pour que quelque chose se termine. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est dans l'occulte. Peut-être que vous allez demander quelque chose à quelqu'un. Mais on va vous dire, tiens, mais toi, tu as des dons. Tu as des dons, tu as des capacités, il faut que tu les développes. Ça peut être ça aussi. Et la justice, la femme. On a l'homme et la femme qui sont justement l'un à côté de l'autre. Donc pour moi, les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour un couple, où les choses se terminent, mais c'est l'un à côté de l'autre. Donc c'est positif quand même pour les couples ici. Donc un nouveau départ, peut-être un procès qui se termine, une procédure judiciaire qui se termine, par exemple pour monsieur. Et enfin, vous allez pouvoir vous mettre en couple. Enfin, vous allez pouvoir officiellement, on va officialiser aussi le couple, les démarches justice, la loi, on va légalement, on va se mettre ensemble, on va se marier, voilà. Oui, parce que peut-être qu'il y a eu des complications pour monsieur ou pour madame. Il y a peut-être eu des complications pour en arriver là, mais on arrive à pouvoir, après avoir fait certaines démarches, ou bien on vous dit de toute façon, faites des démarches parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais ça va, vous allez y arriver. Mais c'est pour ça que, justement, on y arrive. On y arrive enfin. Et peut-être que, justement, on doit toujours demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. On a ici le désir. Alors, les démarches de désir. Bon, ben voilà. Hein. Peut-être qu'on va se lancer à l'eau ici pour telle ou telle raison. Et puis, on s'est passé sur la carte des démarches. Donc. Alors oui, c'est le désir amoureux, sexuel, mais aussi, je pense, avec les cartes que j'ai ici, c'est le départ, les démarches. On pourrait essayer de concrétiser quelque chose qui est une passion. On va concrétiser sa passion. On cherche à la concrétiser.
Et enfin, pour la méditation, on a l'emprise. L'hiver. Ok, donc on a l'emprise et le choix ici derrière. Alors, on a une emprise mentale. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai cette carte-là de la rigueur, mais c'est la carte de la rigueur que j'ai gardée, mais ce n'est pas la bonne carte du jeu, parce que normalement, elle est comme ça. Donc, c'est plutôt la rigueur négative. Et la rigueur négative, c'est cette emprise. Donc, ça me parle... Regardez, on a le diable. On a le diable à côté. Et puis, on a le guide. Donc ici, pour certains, on a des addictions et là, on a le choix. Donc avant, on a le choix. Donc on a l'emprise et puis on a le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix par rapport à quelque chose. Donc vous réfléchissez, méditez pour prendre un choix par rapport à quelque chose de négatif. Mais peut-être que vous, ce n'est pas négatif. C'est comme par exemple, vous fumez la cigarette tout bêtement et puis c'est négatif de fumer la cigarette pour la santé, mais en même temps c'est positif parce que ça nous fait du bien. Je dis ça, je fume pas, mais j'ai fumé, donc voilà, je sais ce que je dis. Donc je fume plus, mais depuis un moment. Donc ça fait du bien, on n'a pas envie de se débarrasser de ça, on dit de toute façon je vais arrêter. Réfléchissez, il y a peut-être, alors je dis pas que c'est que pour la cigarette, mais il y a comme une emprise, il y a quelque chose ici, vous avez la possibilité de stopper quelque chose qui vous nuit, mais qui en même temps vous appréciez, mais ça vous nuit, et vous allez avoir un guide. Donc vous faites le choix de suivre soit le diable ou soit le guide. À vous de faire le choix. Faites vos choix. Les dés sont jetés. On a des cartes de saison. Regardez, on a l'automne, le printemps et la clé. Donc on a la motivation. Donc ici, voilà, là, il y a vraiment un choix pour vous, les amis, que vous devez faire par vous-même, avec vraiment des tentations. Et vous savez que c'est pas bon, c'est pas bien, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais même si c'est pas bien, mais là, c'est, vous avez vraiment d'un côté, vous choisissez quoi? Qu'est-ce que vous allez suivre? Allez, vas-y, fais-le. Mais non, ne le fais pas, c'est pas bien. Vous allez choisir qui? Moi, j'ai envie de choisir celui-là, mais je crois que la raison va l'emporter. Je vais choisir celui-là. Voilà. Bon, ben c'est comique quand même. C'est franchement comique parce qu'on a vraiment... Vous voyez, on a l'emprise, la rigueur, mais au côté négatif. On a la méditation avant et le choix après. Donc, on a le choix, puis le diable, puis le guide. C'est quand même... incroyable, moi j'adore, vraiment, je trouve que c'est génial. Voilà, bon, ben voilà pour les énergies de la journée, les petits amis. On va faire un petit oui ou non, d'accord, avec la carte de l'anneau pour le oui, la carte du... de la croix pour le non, on y va. Alors, on coupe, on a la lune et la carte de l'enfant. Bon, la lune, la carte de l'enfant. On y va, 13 cartes. Alors, 1, 2 et 3, 4. On a le oui, d'accord? C'est le oui. On va regarder après où est la croix. Quand même plus loin. Voilà, on a la carte de la croix ici, donc le nom est là. Comme je vous dis tout le temps, choisissez ce qui vous parle. Vous prenez le oui, ou vous, comme le diable et le guide, vous prenez le oui ou vous prenez le non. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Et gardez ce qui vous parle pour l'attirer à vous. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.